Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne la révélation de comprendre ce que nous chantons. Vous savez que ça, c'est dans le psaume 124-125. Lisez le psaume 125. Benachet, dépêche toi. Lisez le psaume 125, c'est pas ça, c'est 124. 125? Voilà. Donc, on ne chante pas n'importe quoi. Et puis, ce qu'on chante, on doit le croire. Et on doit se l'approprier. Ça veut dire que ça devient pour moi. Qui a bien compris cela? Si je reviens à mes questions, c'est quand tu chantes là, de la même manière que Jérusalem est entourée de montagnes, toi aussi tu es entouré. Et aucun démon ne peut t'atteindre. Nous sommes dans notre prière. Je ferai en sorte qu'à 16h, peut-être à 16h15, on aurait fini pour qu'on puisse prier. Donc, ne restons pas des gens qui chantent seulement. Des gens qui chantent et qui ne croient pas. On ne chante pas. Viens, mon frère. Viens. Il ne faut pas abîmer ta Bible. Il faut bien la. Voilà. Voilà donc, ici, ce sont des promesses du Seigneur. Si vous croyez, c'est là. Le Seigneur manifeste cette grâce à notre égard. Et la grâce de Dieu devient une réalité. C'est-à-dire que ce que tu chantes là, ça devient pour toi. Voilà comment on peut le dire en français d'habillant. Ça devient pour ta propriété. Il y a près de 800, près de 1000 promesses dans la Bible. Et tu dois pouvoir t'approprier une promesse. C'est important, frère. Il y a des promesses dans la Bible, c'est pour nous. Dieu les a faites pour nous. Nous devons nous les approprier. Il dit qu'on doit les prendre, elles doivent devenir notre propriété. Amen. Ne regardez pas à ce que vous êtes, mais regardez à ce que Dieu a fait de vous. Amen. Qui est d'accord avec cela? Moi aussi, c'est pas ici, sinon c'est pas ici. Je regarde à l'expiation. Un jour, Jésus est venu et puis il a pris mes péchés. Et il m'a établi fils de Dieu. Et celui qui est fils, il est aussi héritier. Amen. Ce sont les choses qu'on doit connaître par cœur. Depuis Golgotha, Dieu a fait de nous ses fils d'adoption. Et dès cet instant-là, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en Christ, il nous le donne. On n'est pas là pour pleurnicher. Seigneur, je ne veux pas avoir. Non, tu vas avoir. C'est t'appartient. Maintenant, si l'enfant demeure enfant, l'héritier, là, s'il est toujours un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. On ne peut pas lui confier des responsabilités. Ça aussi, il faut comprendre cela. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Un chrétien qui est toujours là dans les petites choses, tu ne peux pas avancer. Dieu ne peut pas te faire voir sa gloire. Il faut que tu quittes le statut de bébé spirituel pour devenir fils. Et en Israël, le fils, qu'est-ce que le père fait? Quand il a 30 ans, c'est là de la majorité, c'est là qu'il fait ce qu'on appelle l'adoption ou le placement d'enfant. Ça veut dire que ces jours-là, il réunit tous ses amis, on fête l'enfant. Mais ça veut dire qu'il a suivi tout l'enseignement que son père lui a donné depuis qu'il est jeune. Personne ne va prendre un bandit de 30 ans pour venir le fêter, non. Est-ce que vous avez bien compris? Mais c'est un enfant qui est resté fidèle à son père. Quand son père dit lève-toi, il se lève. Va ici, t'en vas. Sans respecter. Et puis, quand il a 30 ans, Dieu va le prendre, son père va le prendre. Et puis, il invite tous ses meilleurs amis, les anciens du village et tout. Il dit, mon enfant que vous voyez, aujourd'hui, je l'adopte. Amen. Ça veut dire désormais,
Il est mûr. Il peut signer des chèques à ma place. Je lui confie même l'entreprise. Et moi, il reste tranquille. Quand on n'a pas compris ces choses, bien aimé, on peut rester dans l'église pendant 30 ans. Ce n'est pas les 30 ans qui nous donnent ça, c'est la révélation de Christ. Parce que nous sommes fidèles, nous recevons la parole et nous est révélée. C'est-à-dire, comment tu dois comprendre cela? Je répète que Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption. Et en même temps, nous devons hériter. Puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais l'enfant, l'héritier, là, aussi longtemps qu'il est bébé, on ne lui confie pas les responsabilités. Tu es d'accord avec moi? C'est ce que très souvent on est là comme toi dans l'église, on ne sait même pas ce qu'on doit faire. On ne connaît pas les principes bibliques pour être exaucé. Quand tu restes bébé spirituel, dans les petites choses, dans les bénisants, tu es en train d'être jaloux des gens, mais tu n'auras rien. Il faut que tu sois un fils. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 15, quoi, c'est 17, c'est ça, 17:5. On va chanter, mais il n'a pas encore lu. Allez, vas-y. Ça, je voudrais que vous vous appropriez ce qui est écrit là. Pour ne plus avoir peur des sorciers, peur des marabouts, peur des francs-maçons, c'est ça. Non, on n'a pas peur d'eux. Parce que le chrétien, il est entouré comme Jésus est entouré. Il ne faut pas le chanter. Si tu ne crois pas, ne pas le chanter. Mais si tu ne crois pas, tu es exposé. Tu es exposé. Ça veut dire que tu es vulnérable. Alors que Dieu a tout fait pour toi. Lisons-le, frère. Psaume 125. Voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Ça veut dire quoi? Pas une seule fois, elle ne va trembler. Voilà. Et qu'est-ce que c'est comme ça? Le grand sorcier du village vient et dit, toi tu vas voir. Tu restes inébranlable. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Mais maintenant, notre problème, c'est de prendre ce qui est écrit pour nous. Amen. Ça doit devenir ta propriété. Continuons. Elle est ta famille pour toujours. Elle est ta famille, vous? Pour toujours. Ça veut dire quoi? Il y a des mots simples que tu dois employer. Elle demeure solide. Solide pour toujours. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, il tombe, demain, il se lève. Non, ce n'est pas un chrétien. Si tu tombes aujourd'hui, tu te lèves, cherche un problème que tu as. Règle-le. Qui comprend ça? Tu as un problème que tu caches. Règle-le avec le Seigneur, c'est fini. Il ne faut pas t'occuper des autres. Ton problème qui te fait tomber là, si tu l'as trouvé, ton problème est réglé. Le chrétien, il est toujours solide. Pas toujours. On le chante, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous ne sommes plus au stade où on doit chanter seulement. Non. C'est bien de chanter, c'est bien de danser, mais nous devons vivre ce qui est écrit. Ce qui est écrit là, on doit prendre, dire, Seigneur, ça c'est pour moi. Quand je le prends, alors Dieu le révèle pour moi et ça s'accomplit dans ma vie. On doit être stade de la vue. On doit voir les problèmes de Dieu s'accomplir dans nos vies. Il n'y a pas d'autre temps, ce n'est pas après l'enlèvement. C'est maintenant. Ça ne contredit pas le grand mouvement de cet esprit. Il y en a qui disent, oh frère Isaac, il y a un grand, c'est vrai. Mais le grand mouvement se prépare. C'est pour ceux qui se préparent maintenant. Sinon, ça va passer, mais en fait, combien de temps ça va durer, moi, je n'en sais rien. Toi, tu vas rester à côté. Continuons à lire. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Ils n'ont pas compris. Hey! Vous savez, ça là, on devait applaudir. L'Éternel entoure
son peuple. Aussi longtemps que les montagnes vont entourer Jérusalem, aussi longtemps le peuple de Dieu est entouré. Amen. Ce n'est pas un peuple de patrons. Ce n'est pas un peuple des gens qui sont patrons, ils tremblent partout. Non, frère. Nous sommes dans la sécurité. Une sécurité éternelle. Oui, frère. Les montagnes entourent Jérusalem. Donc, si longtemps les montagnes continuent d'entourer Jérusalem, le peuple de Dieu, on est ainsi. Lis-le, frère. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère Béranger? De même que les montagnes entourent Jérusalem. Bon, est-ce que les montagnes entourent Jérusalem aujourd'hui? Oui. Les montagnes n'entendent pas, sont encore là. Amen. Amen. C'est une comparaison qui est tellement de taille. Toi qui es là, qui as peur, tu penses qu'il y a un moment, tu sens des présents maléfiques, mais ces présents sont sataniques. Tu n'as qu'à alors ordonner des parties, ils en iront. Par exemple, toi, tu n'as pas foi. Tu crois même pas ce que tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. C'est quoi, tu as des problèmes? Le malheur arrive souvent aux justes. N'est-ce pas? Mais l'Éternel, toujours. Non, ça ne veut pas dire que quand tu es chrétien, tu n'as pas de... Non, tu auras toujours des problèmes. Mais tu auras souvent des problèmes. Mais Dieu va t'arriver toujours. Il n'y a pas une seule fois. Il n'y a pas une seule fois que Dieu va dire, bon, je suis fatigué. Non. Nous adorons le seul vrai Dieu. Et le Dieu véritable et la vie éternelle. Frères et sœurs, tu as des promesses qui sont à ta disposition. Mais il faut les prendre. Il faut croire. Lui, allons-y. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Oh, c'est merveilleux. Yahobi, c'est ça? C'est Yahobi? Lis-moi ce qui est écrit là. Ainsi l'Éternel entoure son peuple quand? Dès maintenant et quand, Béranger? Mais lisons pas la Bible comme on lit un journal. Il faut tout ce qui est. Chaque virgule là a une puissance. C'est vrai? Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Le peuple, c'est qui? C'est nous. Mais quand? Vas-y, mon frère. Dès maintenant et à jamais. Ça veut dire quoi? Non, pas le micro. Maintenant même et puis pour toujours. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Moi, ça me fait la peine quand je vois des gens qui voient des choses précieuses comme ça. Ça ne leur dit rien. Et puis, ils ne peuvent pas en bénéficier. Ils ne peuvent pas. C'est une réalité. Les paroles de Dieu sont vraies, elles sont véritables, elles sont certaines et dignes d'être reçues. Amen. Reçues pas dans la terre, pas dans la terre, dans ton cœur. On a près d'un millier de promesses, frère, dans la Bible. Les promesses ne sont pas pour Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de guérir? Écoutez, est-ce que Dieu a besoin de guérir? Non. Il a besoin d'enfants? Non. Il a besoin d'un poste? Non. Il a besoin de... Non, il n'a pas besoin de... C'est pour nous. Mais on ne peut pas les avoir parce que nous-mêmes, nous ne savons pas. Nous ne nous connaissons pas d'abord. Nous-mêmes ne savons pas ce que nous sommes. Il va à l'église. C'est tout. C'est dans les messages. Mais le message, c'est quoi? L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Amen. C'est une puissance, hein? C'est comment dire, c'est une puissance? C'est une puissance. Ce n'est pas un livre comme ça. Vous savez, si la Bible n'était pas une puissance, pendant des années, on a torturé les chrétiens, la Bible aurait disparu. Mais elle ne peut pas disparaître. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu sous forme d'écrit. Il ne peut pas disparaître. Hein? Quand on prend Dieu au mot, Dieu agit pour nous. Amen. Et vraiment, on disait que ce que j'ai comme problème, c'est que les chrétiens ont peur de prendre Dieu au mot.
Un jour ici, j'ai demandé, qu'est-ce que tu crois que Dieu peut leur donner l'argent? On dit, oh, le jeu, il exagère. L'argent, non. On peut être guéri demain, on m'a dit, mais l'argent, il faut aller travailler pour l'avoir. Je sais. Pourquoi moi, je travaille? Je sais qu'il faut aller travailler pour l'avoir. Mais tu as beau travailler, Dieu n'a pas sa mère, déjà tu n'auras rien. Va prendre des crédits de 20, 30, 45 millions, 200 millions, et puis continue, commence ton entreprise. Sans Dieu, tu vas voir ce que ça va donner. Commence, hein, au début, là, ça va marcher. Jusqu'à ce que les gens aient fini tout bouffé, et toi, tu auras à payer peut-être le double, le triple. Et tu vas finir à la maca. Le proverbe 16, verset 3, lis-le. Il transforme le chantre en lecteur avec moi. Proverbe 16. Ce sont les préliminaires que nous devons connaître. Ce n'est même pas mon thème. Tout à l'heure, je vais aborder le thème. On va finir vite pour qu'on puisse lire. Proverbe 16, à partir du verset, je crois, 3, 4. Ouais, 3. Je vous demande à prendre ces choses par cœur. Ce sont les versets bibliques. Frère Brun dit cette semaine, je suis resté là-dedans pour étudier la parole de Dieu et prier. Mais non, on n'étudie pas. On n'étudie pas. Dès que j'aurai fini, je vais demander quels sont les passages qu'on a cités. Personne. Et pourtant, vous passez des examens, vous pouvez apprendre des bouquins par cœur. Mais ce qui est votre propre vie, ça, c'est pas un problème. Alors, allons-y, mon frère. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Qui a des projets? Qui a des projets? Levez-vous tous, on va le faire immédiatement. Prenez Dieu au mot. Tu le lis et puis on va prier. On va ouvrir notre bouche et dire, Seigneur, je recommande mes projets. Tu les connais. Ceux qui n'ont pas de projets, asseyez-vous. On ne vous oblige pas à vous lever. Quand on se lève, c'est devant le Seigneur. Mais on prend Dieu au mot. Relis ça pour nous. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On va lui dire, Seigneur, tu connais mes projets, tu les vois. Depuis leur conception jusqu'à la finalisation, tu sais. Peut-être que tu es au stade de financement, je ne sais pas quel stade tu es. Peut-être ton projet, c'est d'avoir une épouse et des enfants. Ton projet, peut-être, tu veux avoir des enfants. Tout ça sont des projets. Mais il faut recommander tes œuvres à Dieu et tes projets réussiront. Prions le Seigneur. Nous allons prier de tout notre cœur. Celui qui ne veut pas prier et s'asseoir tranquillement, tu n'as pas de problème. Mais ceux qui ont des projets dans leur cœur, qui veulent que le projet réussisse, confiez ces projets au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à deux frères et à une sœur d'élever la voix et de prier pour tous nos projets dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine social. Nous voulons recommander nos œuvres à l'Éternel afin que nos projets... Vous savez, le « et » là, c'est une conjonction de coordination. Il a dit que les deux vont ensemble. Quand tu as fait ta part, Dieu fait le reste. Amen. Bélanger, c'est pas vrai? Bah. Qui veut prier? Frère André, va donner tu vois, frère André. Soyons très sérieux, hein. Dans les jours, des heures, des années, des mois qui viennent, nous allons voir le projet, nos projets réussis. Ce n'est pas vraiment les projets matériels. Tout ce qui est projet, ce qu'on a conçu et qu'on veut réaliser, Dieu va les réaliser pour nous. Seigneur notre Dieu,
Ta parole est la vérité. Elle est digne d'être reçue. Et à ce moment précis, tu nous as donné de nous arrêter sur une portion de ces saintes écritures. Tu nous demandes de te recommander toutes nos œuvres pour que tu les fasses réussir. Nous te prions, Seigneur, accorde-nous de la foi pour saisir cette promesse afin qu'elle soit une réalité dans nos vies et que le témoignage soit rendu que nous avons crié à toi et que tu as entendu notre cri et que tu nous as secourus parce que tu veilles sur ta parole et tu l'exécutes. Et nous croyons que tu vas exécuter cette parole pour chacun de nous, quel que soit le projet, que ce soit un projet scolaire, un projet professionnel, un projet familial, quel que soit le projet, quelle que soit son intensité, son ampleur, sa grandeur, tu es tout capable pour garantir sa réalisation. Parce que tu es Dieu et ta parole est vraie. Merci Seigneur de nous avoir exaucés et que l'honneur et la gloire te reviennent car nous te prions tous d'un commun accord au nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu fais dans mon foyer, Seigneur, chaque jour. Éternel Dieu, qu'est-ce que je pourrais te dire, Seigneur, que merci. Tu m'as tout donné, Seigneur. Une famille, Seigneur, un mari. Seigneur, je voudrais te prier de confier mon foyer, Seigneur, afin que tu sois présent. Que tu me donnes, Seigneur, d'être cette femme soumise, agréable à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, je te confie, Seigneur, mes projets. Je te confie, Seigneur, mon commerce. Que tu me bénisses. Que tu bénisses l'œuvre de mes mains, Seigneur. Que tu bénisses mon mari au travail, Seigneur. Que tu lui accordes l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Afin que, Père, nous puissions rendre le témoignage ce que, Seigneur, tu fais pour nous chaque jour. Merci, Seigneur, car je te fais confiance. Je sais que tu peux le faire pour nous. Tu peux faire infiniment, au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci, Seigneur, infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une troisième personne. Seigneur, notre Père, notre Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous sommes nombreux ce soir ici et chacun de nous a un projet. Mais par-dessus tout, le premier projet, c'est de te plaire. Et c'est Alléluia. De partir avec toi quand tu viendras. Amen. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, oui. Selon tes promesses, Amen. Nous croyons en ces promesses, c'est pourquoi nous te le demandons. Amen. Nous voulons être agréables. Amen. Rends-nous agréable à toi. Amen. Afin que lorsque tu viendras, nous puissions partir avec toi. Amen. C'est le désir cher de notre cœur. Amen. Parce que nous pouvons tout avoir, mais si tu viens que tu es parti, Amen. C'est fini. Nous élevons la voix avec toi. Après tant d'années en ta présence, nous ne voulons pas rater le but, Seigneur. Amen. C'est pourquoi prends-nous par la main. Conduis-nous fidèlement jusqu'à ce que nous puissions aller avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Nous restons debout et demandons au Seigneur de réaliser sa promesse d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est la promesse majeure. Qui veut prier pour cela? Pas seulement une onction, non. Nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Prions, Seigneur. Prions, demandons la grâce de Dieu, que Dieu nous remplisse son Esprit Saint. Vraiment rempli, nous, nos enfants, notre famille. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois magnifique, sois gâté pour la promesse du Père que tu accordes à chacun. Sois béni au nom de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Maintenant, voilà le thème que nous allons effleurer. Qu'est-ce qui nous cache la face de Dieu? Qu'est-ce qui nous cache la face de Dieu? On a prié tout à l'heure. Pourquoi nous n'allons pas tous recevoir ce que nous avons demandé? Voilà ce que ça veut dire. Alors que Dieu, il veut faire luire, briller sa face sur nous. Mais il y a quelque chose qui nous cache cette face-là. Qu'est-ce qui l'empêche de nous exaucer? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de Dieu qui nous exauce? Alors, donne-moi les réponses. Nous allons prier tout à l'heure. Vous savez, chacun sait pourquoi il n'est pas exaucé ça maintenant. Si tu ne sais pas, bon, ben, on remet ça sur, au nombre des épreuves. Vous passez par des épreuves, c'est vrai. Mais les épreuves prennent fin un jour. Amen. Les épreuves là, c'est dur. C'est pas épreuve. Quand on dit épreuve, il a mal à la tête, c'est pas une épreuve. Non. Une épreuve, c'est très dur. Allez voir Job. Si vous voulez savoir ce qu'on appelle l'épreuve. Mais pourtant, l'apôtre Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète toute épreuve. Ah oui, oui. Alors, disons, qu'est-ce qui nous empêche d'être exaucés? Il y a des choses que nous cachons, il y a des choses que nous faisons qui bloquent nos relations entre le Seigneur. On va lire Ésaïe 59. Je ne vais pas être long. Je voulais qu'on prie quelques instants. Mais à la maison, continuons parce que nous devons expérimenter la parole de Dieu. On ne peut pas se compter des lits seulement. Ésaïe 59. Mon frère Béranger, tu dis. Voilà le micro. Il y a un micro là-bas. Et puis, celui de la ligne d'avou, vous allez lire aussi. Allons-y. Ésaïe 59. Non, verset premier. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit? Quand on parle, on s'adresse à qui? On invoque qui? Le Seigneur. Invoquer, ça veut dire appeler à son aide, par la prière. Mais pourquoi Dieu n'entend pas? Pourquoi Dieu n'entend pas souvent nos prières? Le prophète Ésaïe, il le dit ici, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Écoutez, réveillez-vous. Hein, et, pas que vous dormiez, mais soyez attentifs. Qu'est-ce que la main de l'Éternel a fait dans l'Antiquité qui est restée dans qui marque l'histoire de la Bible. Il a fait un miracle extraordinaire.
Dans l'Antiquité, c'était cette même main-là qui doit agir en notre faveur. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Voilà le problème. Qui a levé la main? Jean-Pierre. Ce que la main de l'Éternel a fait dans l'Antiquité, c'est la délivrance d'Israël d'Égypte. Amen. Et tu crois que le peuple d'Israël a été délivré? Oui. Tu le crois? Oui, je le crois. Bon. Si tu le crois, c'est l'image de ta délivrance à toi. Amen. C'est cette, on parle de cette main, elle n'est pas trop courte, elle est trop grande. Mais c'est toi et moi qui empêchons cela. On raisonne, on est. Mais laissons Dieu agir. Vous savez que dans le peuple d'Israël, quand il y avait des gens comme Corée, Dathan et Abiram, c'était aussi les Lévites. Ils disent, nous aussi on est Lévites. Pourquoi c'est... Mais ce n'est pas tous les Lévites qui ont été choisis. C'est Moïse. Et ils ont vu là aussi la main de Dieu. Quand toutes leurs verges ont été récoltées et mises dans la tente d'assignation, quelle est celle qui a bougeonné? C'est de Moïse. Aaron, pardon. Aaron. Amen. C'est la veille d'Aaron. C'est la veille d'Aaron. Que Dieu soit béni. Alors, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ça, c'est vrai. Quand vous voyez le peuple d'Israël devant la mer rouge, c'était la débandade. Mais il a suffi que Dieu jette un regard favorable vers Israël. Israël est sauvé. Frère, notre combat est spirituel, hein? Déjà en Israël, en Égypte plutôt, quand le serpent de Moïse a avalé les serpents des Égyptiens, la victoire était déjà gagnée. Si vous voyez sur la tête des pharaons, leur puissance, c'est un serpent. Et le serpent de Dieu a avalé le serpent des païens. Englouti. Et la même eau, la même mer qui a laissé passer les Israéliens, va engloutir les Égyptiens. Cette même main, elle est là encore pour chez nous. Alors, quand il s'agit de nous, elle est trop courte. Elle paraît. Elle n'est pas courte. Ni son oreille, trop dure pour nous entendre. Pourquoi toi, tu cries, vite devant toi. Dieu ne dit pas. Pourquoi? D'abord, il y a l'incrédulité. Premier obstacle. On ne croit pas. On dit qu'on dit les choses, mais on ne croit pas au fond. On ne croit pas. Hein? Tout à l'heure, vous allez prier. Nous allons prier demandant au Seigneur d'ôter l'incrédulité. L'incrédulité est un obstacle majeur à notre exaucement. Le mercredi, vous savez, quand vous priez, je vais vous dire une chose, peut-être que vous allez expérimenter. Quand on prie, on a demandé quelque chose, on a l'impression d'avoir la chose déjà. Qui a senti ça? Et puis quelques instants après, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? On a prié, on est content la chose. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? La chose se réalise. Non. Si on n'est pas, on n'a pas la foi, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez la chose devant vous, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle disparaît progressivement. Tiens, vous n'avez pas raison. Il faut exploiter toute la parole de Dieu. Vous voulez aller quelque part, vous êtes suivi. Moi, je m'en vais. Et puis après, vous avez prié, vous êtes d'accord. Hein? Et puis après, vous dites, ah, mais est-ce que je peux aller? Je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce qui va se passer en route? Je ne sais pas. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui est arrivé à qui? Ça, là, c'est arrivé à qui? Quelqu'un qui a cru. Et puis, ensuite, il a perdu sa foi en voyant les obstacles. Et ça t'arrive aussi. Aussi longtemps que toi, comme Pierre, tu vas perdre. Tu vas perdre. Pierre a commencé à marcher. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Mais quand Dieu ordonne, on pouvait régler. Dites un grand amen. Si vous ne comprenez pas, demandez-moi de vous expliquer. Quand Dieu passe, il ordonne. Il a dit, ordonne. Ça dit, donne un ordre.
Quand Dieu donne un ordre, tout se tait. Mais quand on bafoue Dieu, on prend au contraire la parole du diable comme étant plus forte que la parole de Dieu. Pierre a eu la foi. Dites amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi il a eu la foi? Comment on peut dire, pourquoi on peut dire qu'il a eu la foi? Comment on peut dire que Pierre a eu la foi? Les sœurs, vous ne prêchez pas, c'est moi qui vous ordonne. Je vous ordonne de parler. Hein, les sœurs parlent. Les sœurs peuvent parler. Mais elles ne vont pas prêcher, elles ne vont pas. Elles étaient. Quand on vous dit de dire quelque chose, dites-le. Pourquoi? Pourquoi? Personne. Ma sœur Thérèse. Oui. On dit que Pierre a eu la foi parce que dès qu'il a demandé au Seigneur si c'était lui qui l'ordonne qu'il marche sur l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau. Le nom là, c'est déjà une deuxième étape. Voyez, comme lisez la Bible, lisez dans la prière, Dieu va vous révéler l'étape de la chose. Quelles sont les étapes de la foi de Pierre? Et il a perdu après. La première étape, c'est quoi? Hein? Oui. Il a fait quoi? Oui, donne le micro au frère. Lève-toi, frère. Quand le Seigneur a ordonné, lui, il était déjà dans une sécurité qui était la barque. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui a compris? Qui n'a pas compris? Pierre était en sécurité dans la barque. Mais à la parole du Seigneur, il est sorti de cette... Il est sorti de la sécurité où il était. Qui comprend maintenant? Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Vous pouvez être dans une prétendue sécurité. Et puis Dieu dit, fais telle chose. On dit, ah ça là, déjà j'ai gagné mon pain. Ce qu'on dit là, c'est trop difficile. Tu vas perdre. Donc Pierre est sorti. Parce que le Seigneur a ordonné. Quand il ordonne la chose, arrive, et quand il parle, elle existe. Dieu a fait ça. Mais Pierre, il est descendu. Et puis après, les démons vont l'éprouver. Ah, Pierre, regarde en bas. Quand il regarde en bas, il voit des requins. Et puis, c'est loin, il s'éloigne de la barque. Il perd sa sécurité. Il a fait près d'un mètre de la barque. Il dit, ah, ça, si il est loin, je me fais un peu loin, ils vont me bouger. Les requins sont en bas, ils passent. Ils attendent Pierre qui va bouger. Vous savez, Pierre, même, c'est la pierre lourde. Vous comprenez un peu? Ne faisons pas comme Pierre. Mais quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a été transformé. N'allons pas au stade où Pierre était encore charnel. Mais venons à la Pentecôte. C'était plus le même Pierre. C'est là que nous voulons être. Et il a vu partout les requins dans la lumière. Seigneur, secoue-moi. Amen. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, ordonne que je puisse être rempli de Saint-Esprit. Amen. C'est ta promesse. S'il y a un problème dans ma vie, ôte le problème. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Mais vous demandez à grâce à Dieu. Demande à Dieu, ça là, il y a longtemps, je veux essayer, mais je n'arrive pas. Viens à mon secours. Il va enlever. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, quelqu'un c'est toi et c'est moi. Ce soir-là, ouvre la porte. Il va entrer, il va te donner à manger, puis tu vas manger avec lui. Le repas du Seigneur est suffisant. Qu'est-ce qu'on peut offrir au Seigneur? Mes soeurs, vous faites si bien la cuisine, qu'est-ce que vous pouvez donner bon au Seigneur? Rien. Mais lui, il donne son souper. Amen. Alléluia. Alors, donnez la suite du verset 14. Matthieu 14, verset 28. Là. Donnez la suite. Et il dit, viens. Non, ça c'est... Pierre sortit pour aller...
Bon, continuons. Voilà. Lisons les épreuves de Pierre, qui sont tes épreuves à moi. Allons-y, lisons. Lisons. Mais voyant que le vent était fort, le vent. Vous savez ce que ça représente? Qui sait ce que représente le vent dans la nature? Oh. Ezra, parle. Le vent là, toi Ezra, tu es là, tu as des projets, tu pries Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle le vent, c'est quoi? Le vent, pour moi, représente une épreuve. Oui, mais quelle épreuve? Quand le vent vient, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il balance tout, il emporte tout. Il balance le vent. Le projet. Il balaie tout. Il balaie tout. C'est une force. Quand le vent vient, il ravage tout. Alors quand il a eu le vent, il a eu. Non, vas-y, mon frère. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. N'aie pas peur, Branger. Amen. N'aie pas peur, Ezra. N'aie pas peur, Isaac. Amen. N'aie pas peur. Qui veut ne pas avoir peur aussi? Mais quand le vent est là, sache que celui qui t'a dit de venir là, il est là. Amen. C'est ce qu'on oublie. Il ordonne, la chose existe. Elle vient à l'existence. Si Dieu a ordonné, il ne faut pas t'occuper des démons. Ils sont trop petits. Mais très souvent, ce sont quand on les voit, un grand vent est trop petit. Amen. Amen. Et comme il commençait. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Amen. J'aime Pierre. Il est sincère. Amen. Il reste là jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils ont un problème réel, mais ils ne vont jamais le dire au Seigneur. Oh Seigneur, de toute façon, si je le dis, on va dire que je suis faible. Qui ne sait pas que tu es faible? Qui est fort ici? Moi, je ne suis pas fort. Hein? Moi, je ne suis pas fort. Je construis la grâce de Dieu. Amen. Depuis que j'ai cru, je marche pas à pas en comptant sur le Seigneur. Amen. Je n'ai pas de force. Non, il n'y a pas de honte à dire au Seigneur. J'arrive à la maison, il y a tel problème. Je prends quelques jours de jeûne, je prie, mais je me couche à terre. Il va résoudre ton problème. Mais si tu n'as pas de problème, il te regarde. Hein? Quand il a dit, je suis à la porte, il frappe là. Si quelqu'un entend, si tu ne veux pas, il va entrer. Non, ce n'est pas le diable il bouscule tout. Maintenant, Dieu, il veut notre collaboration. Amen. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt. Oh, c'est merveilleux. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il ne fait pas de réprimande. Hein? Il te sauve d'abord. Et puis après, il va te faire des remarques. Amen. Mais moi, je le dis, Béranger, tu sais, on t'a donné tous les conseils. Bon, et pendant que je suis en train de réprimander, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'enfoncer. Dieu est tellement bon. Il n'est pas bon? Amen. Nous, les hommes, là, on veut tout de suite prendre la place de Dieu. Tu as fait ça. On t'a tiré les oreilles. Reste là. Mais Dieu, quand on dit au secours, il secoue d'abord. Amen. Et puis, il te donne des conseils ensuite. Amen. Il est vraiment merveilleux. Maintenant, vous allez voir. Aussitôt, il t'a dit la main. Il n'a même pas parlé. Il t'a dit la main. Le saisit et lui dit. Comment est la main de Dieu? Puissante. Mais regardez ici. Quelqu'un qui est à l'autre bout de la rivière, et puis Jésus, Amen. Amen. Comment est sa main? Elle est très longue. Tu peux dans un trou, Amen. Au village, partout, crie seulement. Amen. Il va te sortir de là. Amen. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne peut pas tendre la main. Amen. Mais on sait aussitôt. C'est après seulement qu'il donne des conseils. Oh, il est bon. Ils n'ont pas les conseils quand la personne qui meurt est en train de mourir, non? Il n'a qu'à. Dieu, on ne lui parle pas d'écoute-toi. Il n'a qu'à essayer. Ça se fait une expérience. Non. Il va te sauver d'abord. Il est vraiment bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Homme de peu de foi.
Pourquoi as-tu douté? Il ne faut pas avoir peur de parler fort, mon petit. Parle fort. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Et toi qui m'écoutes, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es assis là, tu doutes? Pourquoi? Femme de peu de foi. Pourquoi nous doutons? Vous savez que la Bible dit, si quelqu'un s'approche de Dieu, première condition. Quelle est la première condition? Il doit croire que Dieu existe. Tu as bien compris. Peut-être on ne va pas aller loin dans les méditations, mais il doit croire d'abord que Dieu existe. Tu as bien compris ça. Dans tous tes problèmes, tu dis, ce problème-là, c'est Dieu qui va résoudre. Amen. Quand tu te mets à genoux, il ne faut pas dire, je vais essayer. Non. Tu dois croire que Dieu existe. Ça veut dire, quand on dit Dieu existe, mais toi aussi tu existes. Moi j'existe, mais quel pouvoir j'ai? Quel pouvoir toi et moi nous avons? On n'a aucun pouvoir. Non, on n'a que la puissance de Dieu en nous. Si Dieu nous rend fort, on devient fort. Oui. Sans Dieu, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc croire que Dieu existe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Donc quand il m'en parle de Dieu, je crois qu'on pouvait le dire résolu. J'ai frappé la bonne porte. Il doit croire que Dieu existe. Et puis ensuite? Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Béranger, prends le micro et puis parle comme tu chantes. Il doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tous ceux qui cherchent le Seigneur, là, le Seigneur les paye. Il les paye, il donne un salaire. Vous avez compris ici? Dieu donne un salaire. Il rémunère leur effort. C'est la première condition pour être exaucé. Il faut croire que Dieu existe. Mon problème est grave, hein? Il vient à l'hôpital, il dit, bon, ça là, tu ne veux pas vivre encore 2 jours, 3 jours. Bon, c'est vrai, médecin, vous êtes des savants. Un médecin, c'est un savant. Hein? Mais il a appris et il est arrivé à un certain niveau. Mais Dieu, il est Dieu. Il crée. Il ordonne et la chose arrive. Frère André, tu as déjà ordonné et puis quelque chose est arrivé à ta médecin? Non. Il constate. Il m'a dit, frère Isaac, vraiment, on ne peut rien faire. On a vu que les paramètres montrent, les paramètres, ça montre, c'est sombre. Les Russes. Quand il vous dit que vraiment, le tableau est sombre, ça veut dire qu'il ne peut rien faire. N'est-ce pas, ma soeur? Toi qui es médecin. On dit, ah, mais le tableau est sombre. Ça veut dire qu'il est dépassé par les événements. Mais quand le tableau est sombre, l'Éternel le rend clair. C'est bien que nous ayons des médecins parmi nous, ils connaissent leurs limites. Vous voyez le nombre d'années qu'ils étudient, beaucoup d'années avec vous, les amis. Mais Dieu, il ne se compte pas en années, il est infini. Il est infini. C'est quand le médecin a dit que, mon cher, ton problème c'est Dieu. Quand le médecin dit, c'est une prophétie. Hein? Quand le médecin dit, mon bien-aimé, ça c'est Dieu qui va le résoudre. Il a fait une prophétie. Amen. Attrape ça. Et puis tu vas repartir le voir est réglé. Amen. 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 Donc la première chose, il faut que l'incrédulité soit ôtée. Quand il vient vers Dieu pour recevoir une bénédiction, ne crois pas qu'il n'est pas capable de régler ton problème. Amen. C'est une injure. C'est une injure à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Elle dit, tu insultes Dieu. Tu le mets au niveau de tes petits problèmes, de petits symptômes. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ensuite, les supplications. Les supplications, c'est longtemps. Amen. Tu dois supplier Dieu comme qui a supplié Dieu. Jusqu'à ce qu'il voit le petit nuage. C'est qui? Élie. Cette fois, il a prié et puis il voit un petit nuage. Mais quand le petit nuage apparaît,
tu dois croire que c'est la solution à ton problème. Amen. Je prends un exemple banal, c'est pas par rapport à quelqu'un. Je prends l'exemple d'une fille qui veut avoir un enfant. On a prié, prié, puis elle n'a pas eu ses menstrues un mois. Deuxième mois arrive. Elle dit, ah, ça c'est comme ça d'habitude. Oh. Tu as tout gâté. Ah oui, oui. Toi, tu manges les habitudes. Le mari, hey, tu as eu, non, c'est quoi ta habitude, ça passe. Qui comprend? Comment ça a lieu le Seigneur? Amen. Comment ça a lieu le Seigneur? Prépare le trousseau. Tu as prié quand Dieu exauce, tu dis que c'est comme ça ta vie. Ok, moi, on va être deux, moi, trois, et mais tu es incrédule, ma soeur. Hey, c'est comme ça. Oh. Ça va passer. Les paroles que nous prononçons ont une puissance. Elles peuvent édifier ou détruire. Tu as bien compris. Quand Dieu t'a exaucé, Moïse n'a pas dit, écoutez, non, Élie n'a pas dit. Quand il a demandé à son serviteur, qu'est-ce que tu as vu sur l'eau? La mer. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, je vois un petit nuage comme la paume. Regarde ma petite paume là, sur la mer. Oh, Moïse, Élie, elle m'a dit, oh, écoutez, on n'a pas été exaucé, on a prié ce que. Ah, tu vois, sur un petit nuage comme ça, c'est rien. Mais il a dit au roi, j'entends déjà la pluie. Amen. Prends ton chemin, il va. Amen. Voilà cette foi qu'on nous demande. Tu as compris? Il ne faut pas laisser des promesses. Tu as prié Dieu de la chose. Non, c'est. Il y en a qui sont admis. Je prends un exemple. Il est admissible. Il a passé un concours. Et puis cette fois-ci, il a prié, il a gelé. Il s'en va à l'examen. Il s'en va. Un coup, il est admissible. Frère, ça a marché. Oh frère, ça c'est comme ça d'habitude. Chaque fois, je fais ça. Et puis, la dernière épreuve, il échoue. D'accord. Quand tu vas échouer, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais si tu as la foi, qu'est-ce qui va te passer? Si tu as la foi, tu verras. Ce ne sont pas des théories, ce sont des choses réelles. Amen. Si tu crois là, Dieu va t'accorder ce que tu veux avoir. C'est quoi la Bible dit? Dans Marc chapitre 11, tout ce que nous demandons dans la prière, croyons que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Donc l'incrédulité, c'est le premier obstacle. Et c'est nous-mêmes, nous sommes trop incrédules. On raisonne. Frère, c'est comme ça. Oh. Ça va, ce deux mois, trois mois, c'est quatre. Quelquefois, on me prend. Hey, on a prié, puis le frère s'en va, on l'embauche. Le frère, ça, tu sais pas. J'ai fait 6 mois et ils m'ont laissé quand même, cette fois-ci-là. Mais toi, tu vois qu'on te laisse. On va te laisser tout le temps. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Hein. Je ne raisonne pas comme ça. Ah non, 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 non. Quand je vois l'indice, il prend. Et puis, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et puis, Dieu va faire des grandes choses pour vous. C'est comme le frère Franck a dit la dernière fois, on va venir, on va s'asseoir, prier. Toi, tu ne verras rien. Pourquoi tu ne crois pas? Tu ne crois pas, tu ne verras rien. Qui veut croire? Mais tu crois pour toi, hein? Qui te soit fait selon ta foi. Si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je crois que je vais dire un dernier mot, il arrête là, on va prier. Mais ça suffit. L'incrédulité, c'est la première chose. Et puis ensuite, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Et il y en a tellement, 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 tellement. Je prends un petit péché. Il n'y a pas de petit. Je prends un exemple de péché. L'égoïsme est un péché. Qui comprend ce que ça veut dire? L'égoïsme. C'est un péché. Hein? Toi, tu manges ça et puis on déverse le reste dans la poubelle. Et puis quelqu'un a fait à côté. C'est un péché. Il y en a beaucoup, mais je prends les deux. Retenez, le péché est un handicap à l'exaucement. S'il y a un péché dans ta vie, donc tu ne veux pas te défaire, demande au Seigneur de venir l'ôter. Le péché, c'est la plus grande maladie. Hein? Il n'y a que Dieu qui puisse guérir cette maladie. Il y
Je prends l'exemple de... Allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Alors à vous. Non, non, il ne va pas. C'est Bélanger qui te remplace aujourd'hui. Il veut fuir, mais papa va fuir. Ésaïe 58. Verset 4. Ouais. Voici, vous jeûnez pour disputer. Non, on va partir à partir du verset 3. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Qui dit ça? Mais qui dit ça? C'est nous. C'est nous. On a prié, on a jeûné, ça ne voit pas. Non, c'est pas à peine de jeûner. Alors c'est faux. Amen. C'est faux. Amen. C'est faux. Continuons. De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Vous savez, quand on jeûne, on est fatigué. Quelqu'un qui jeûne, il est fatigué. Son corps est faible. Et ce qui complique la situation, c'est qu'on fait une bonne cuisine, il sent l'odeur, il ne peut pas manger. Il s'est donné un objectif qu'il doit réaliser. Donc, il n'a pas le droit de manger. Alors, à quoi ça nous sert de jeûner si tu ne nous écoutes pas? Voilà le raisonnement humain. Que le diable lui-même, il engraisse ça. Tu as jeûné, tu n'as rien. Il faut laisser ça. Abandonne. On n'abandonne jamais. L'apôtre Paul dit que personne ne perde courage. Qui est d'accord? Nous continuons le combat jusqu'à Dieu. Dieu nous exauce selon le psaume 23. Nous sommes fatigués d'être mépris. Pourquoi dirait-on, où est son Dieu? Pourquoi vous allez laisser les gens vous dire, où est son Dieu? Notre Dieu, il exauce. Amen. Amen. Allons-y. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Allez, vous faites ce que vous voulez. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Peut-être, oui, nous, on n'a pas de mercenaires, mais les jeunes filles qui sont chez nous, les sœurs, on crie, on fait. Non, non. Un chrétien, il doit être bon. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. Hein. Il donne des ordres avec douceur. Amen. Voilà. Continuons. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Comment on appelle ça? Vous jeûnez pour faire palabre. Palabre. On jeûne et puis on fait palabre. C'est pas vrai? On fait palabre. Avec son épouse, les enfants, on fait palabre. Et vous, on va. Non, vous ne pouvez pas négocier. Continuons. Pour frapper méchamment du poing. Voilà. Yahoo n'est pas là ce soir. Il sait ce que ça coûte. Yao, il sait ce que ça coûte. Il a fait palabre, il est tombé malade jusqu'au soir. Et quand on l'a interpellé, il a confessé et immédiatement il a été. Qui était là? Ceux qui ne viennent pas, vous ne voyez pas les choses. Hein? L'église n'arrête pas seulement le dimanche. Hein? Les mercredis, il y a beaucoup de choses qui se font. Yao était en train de mourir ici. Quand il est venu, il a confessé, il a été guéri immédiatement, instantanément. Mais toi, tu peux rester là avec ton péché, tu le caches, mais Dieu te voit. Hein? Qui sait que Dieu le voit? Dieu nous voit nus. Mais même si on est nus, il y a des choses que nous, on ne voit pas. Où est le docteur André? Il y a des choses que toi, tu ne vois pas. Tu vas le voir, le docteur André, il va dire, bon, il te donne un billet pour aller faire un scanner. Pourquoi tu veux un scanner? Parce que le scanner permet de voir ce que tu vois. Mais pourquoi? Non, prends. Pourquoi devant un scanner? Parce que je ne vois pas tout. Oui, papa. Lui, il sait qu'il y a un problème, mais il ne sait pas. C'est un médecin à ses matins. Il ne peut pas dire, donner aspirine, non. Il dit ça là. Va chez un tel, tel, tel. Quelquefois, tu vas chez un tel, il te dit, regarde un autre encore. Mais Dieu nous voit. Amen. Son scanner est parfait. Amen.
Mais qu'est-ce que vous voulez cacher? Vous devez vous asseoir ce soir, vous cachez les choses de Dieu. Mais c'est en votre défaveur. Hein. Aussi longtemps que le péché est là, Dieu ne va pas faire venir la bénédiction sur la malédiction. Il faut qu'il soit ôté. Tu as bien compris là. Ton problème là, tu as un problème, tu es querelé, tu es rancunier. Il faut demander à Dieu d'ôter cela de ton cœur. C'est important. On n'a pas de confessionnaire ici, on va. Frère Isaac, on va dire non, il n'y a pas bien ça. Moi, je suis fatigué, je vais à la maison. Mais c'est entre les deux. Tout à l'heure, je m'en vais à la maison, pas venir voir. On va venir prier, ton prière est déjà réglée. Notre bien-aimé frère, peut-être il suit actuellement. Blessing. Qui a prié pour Blessing ici? On l'a appelé ici, il dit ah, ça va un peu. Alors, ce n'est pas vrai. Il a dit Blessing, tu as un problème. On est allé, il a dit le problème, il l'est guéri littéralement. Guéri, avant de partir, il était très heureux, il nous a appelé. C'est fini, son problème est réglé. Mais toi, tu caches un problème. Et puis tu caches ça, mais si il dit ça, le frère dit, toi, tu es dans le message. Et puis, mais le message nous pousse à régler le problème. Tu as un problème, règle-le. Tu veux mourir, quoi? Tu veux qu'on vienne chanter, dois bien aimer. Non. Dieu peut te bénir maintenant. Mais il veut que ces problèmes soient réglés. C'est lui qui t'a caché des années. Ah, si j'ai dit ça à mon mari, ton mari il est qui? Ton mari est qui? Vous savez, il y a une femme qui a commis adultère. Elle a eu. C'est le ministère du frère Branham. Hein? Frère Kouma. Frère Kouma, s'il te plaît, viens. Je vais donner cet exemple, puis on va finir. Mais sachez l'incrédulité et puis le péché, sous toutes les formes. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on s'arrête là. Elle va voir le frère Branham. Frère Branham voit que elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Elle est allée voir le frère Branham, prie pour elle. Elle dit, non, frère, non. Ma soeur, tu as un problème? Ça, c'est arrivé ici, dans cette église. C'est arrivé plusieurs fois ici. Il y a une soeur qui est venue de Miyagi. Elle a passé 17 ans, non, 11 ans dans les camps de prière. Qui c'est ça? Et puis elle est venue, elle est allée voir au bureau. Bon, vous avez prié pour moi? Elle dit non, je prie pas pour toi. L'Esprit de Dieu nous a dit, elle a un problème grave. Il a posé la question, qu'est-ce que tu as? Non, elle a dit non. Écoutez, on n'a pas le temps. Si tu n'as pas de problème, tu sors. Et on va recevoir les autres. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un problème très grave contre son mari. C'est ça que tu caches? Confesse, elle a confessé. Maintenant, ton mari, il est. On dit, il est à Miyagi. On envoie. Allez le chercher. Fais comment, c'est pas vrai? On allait le chercher. Quand elle est venue, on lui a posé la question. Tu sais ce qu'il se passe? Elle dit non. Voilà ce que ta femme va faire. Avec qui? Et on a donné. Et il dit, je vais prendre le bâton, je vais te frapper. C'est fini, tu ne veux plus en femme. Et on lui a dit, oh, mon ami, tu es chrétien, il dit, laissez-moi, prie pour ta femme. Et que toi-même, tu es saint. Toi qui parles là. Amen. Tu n'as pas d'autre femme, il est coincé. On dit les choses qu'on vit ici. Tu n'as pas d'autre femme, il est coincé. Prie pour ta femme. Il n'était pas content, il a prié pour elle. Elle a été délivrée totalement. Et lui, un jour, un frère me dit, ah, le monsieur, il prend son baptême. Il a été baptisé aussi. Amen. Si tu as un problème, confesse-le. Amen. À Dieu. Amen. Si tu dois à quelqu'un, va lui rendre. Amen. Va lui rendre ce que tu dois. Il ne faut pas venir, hein, frère Kouma. Tu vas prier pour moi, mais tu caches le problème. Tu caches le problème. Dieu est là pour régler tes problèmes. Il y a l'incrédulité et puis le péché qui bloque. Alors, et puis, l'hypocrisie. A dit on jeûne, mais on ne jeûne pas comme il se doit. C'est être hypocrite. C'est qu'on on doit le faire correctement. Qui vous oblige à jeûner? Personne.
Non, on n'a pas besoin de jeûner. Mais quand on dit on jeûne, on jeûne. Continuons, Bélanger. Pour que votre voix soit entendue en haut, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Nous voulons jeûner pour que notre voix soit entendue. Ça veut dire que Dieu nous exauce. En haut, là, c'est le trône de grâce. On va s'approcher du trône de grâce avec foi. Et Dieu veut nous exaucer. Mais s'il y a quelque chose qui est là, qui bloque, on ne sera pas exaucé. On ne sera pas exaucé, frère. Cette femme, elle a fait 11 ans les camps de prière. Les gens lui ont pris tous ses pagnes. Ah, là-bas, hein, tu t'en vas, on dit, bon, donne-t'en. On dit, on ne donne rien. On dit, aie la foi. Amen. Crois. Amen. Et tu seras fait de ta foi. C'est difficile, hein? C'est plus difficile de donner 10 complets de pagnes. Et puis, tu caches tes péchés. Mais tu ne seras pas exaucé. Jusqu'à ce que tu aies confessé ce dernier péché à Dieu. Continuons, frère. Est-ce là le jour auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couper la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Qui veut savoir ça? Nous devons jeûner. Voici ce que je... C'est Dieu qui nous montre le jeûne auquel il prend plaisir. Ça veut dire que si tu jeûnes comme ça, il va t'exaucer. Quel que soit le problème. Est-ce qu'il y a un problème qui soit au-dessus de Dieu? Non. Qui connaît le passage? Il y a un passage qui dit que rien n'est trop... N'est trop... Rien n'est trop difficile pour toi. Rien. Rien. On a vu Blessing. Il y a un monsieur qui s'appelle Blessing. Sa femme n'est pas du tourisme. Écoutez-moi bien. Je l'ai laissé dire encore. Sa femme n'est pas du tourisme. Or, il est né seul. Il va avoir des enfants. Après la naissance, après le mariage, sa femme lui dit, ah, bon, chérie, il n'est pas du tourisme. Quoi? On a laissé son du tourisme. Il est allé jeûner, prier. Il s'est enfermé. Il a jeûné. Et puis, sa femme a appelé les gens parce qu'elle voit que ça dure. Et elle a cassé la porte. On le prend, il sort de la faible. Et il dit à sa femme, tu es enceinte. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Les gens vont dire, ah, ça commence. Mais tu doutes encore. Quand tu as du doute. Il n'a pas d'utérus. Elle n'a pas d'utérus. Mais il dit, tu es enceinte. Lui, on l'a amené à l'hôpital où vous le soyez. Je vais vous faire voir ça. Je vais ramener ces choses. C'est important. Et puis, les mêmes médecins qui ont allé à l'utérus, là, ce sont les mêmes qui voient un enfant nager dans un utérus tout neuf. Amen. Mais qui a fait ça? Vous savez, nous, nous doutons, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le message du frère Branham. Frère Branham dit que Dieu peut créer un nouvel utérus pour toi. Il peut créer un nouveau poumon pour toi. Il peut créer tout ce qui manque pour toi. C'est lui qui a dit ça. Dieu, il n'est pas autant de la réparation, il est autant de la création. Amen. N'est-ce pas à vous? Amen. Dieu peut donner une femme. Amen. Si c'est vrai, tu l'élèves, tu dis amen. Amen. Alléluia. On n'a pas l'ampleur. Non. Dieu peut donner une épouse. Dieu peut donner tout. Amen. Moi, je le crois. Hein. Amen. Moi, je le crois. Mais vous devez exercer vous-même la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui étaient malades, Dieu envoie sa parole et il les guérit. Mais toi, ta parole vient, tu ne guéris pas. Pourquoi? Il y a un problème, quelque chose qui est là, que tu caches, tu as peur. Si elle dit ça, on va dire moi. Mais toi, tu es qui, frère? Tu n'es rien. Maintenant, je n'ai pas fini le témoignage de cette femme dans le ministère du frère Branham. Elle est venue, pourquoi le frère Branham lui a posé les mains, prié, puis elle s'est dit, non, le frère Branham lui a dit non. Ma soeur, tu as un problème. Quel est le problème? Tu vis avec un homme. Ah, mais quand tu as vu ça?
Moi, il venait que tu pries pour moi simplement. Et puis, ça, c'est ma plaie. On ne touche pas. On ne touche pas ta plaie, elle va te tuer. Qui a compris? Nous, tous nos plaies là, mettons, exposons-les. Seigneur, voilà ma plaie. Tiens, pasteur, tu touches ça, c'est ma plaie. Tu as un homme qui tu vis. C'était un homme qui était son ami dans le monde. Si ma mémoire est bonne. Et puis un jour, il a croisé. Et puis le mauvais esprit est entré. Ils ont commencé encore à mener une mauvaise vie. Et puis elle veut abandonner. Et qu'est-ce que le monsieur lui dit? Le monsieur lui dit, si tu abandonnes, je vais informer ton mari. Et vous voyez un peu le diable. Il, son ancien ami, Doubeyou. Donc, ils sont repris. Et puis maintenant, le monsieur a pris goût, dit, ah, mon ami, si mon mari, non, si tu vas dire, si tu m'abandonnes, il dit à son mari. Lui veut garder son mari. Mais elle est coincée. Elle va voir le frère Branham. Frère Branham lui dit, tu as un problème, tu vis avec un homme. Oh, ça c'est ma plaie, c'est trop grave, si tu dis ça. Et le frère lui dit, ton mari lui aussi, il vit avec une femme quelque part. Alléluia! On appelle son mari, on est venu voir ta femme, elle t'a trompé. Oh, monsieur, et ta colère! Toi, tu m'as trompé avec tout ce que je t'ai donné? Là, c'est fini, hein? C'est fini! Hypocrite! Quand il a fini, frère Brunet dit, mon cher ami, tu te vois avec une femme blonde de l'autre côté. Tu as deux enfants avec elle. Il a pris sa tête comme ça. Et puis il les a réconciliés. Qui veut être réconcilié avec deux ce soir? Amen. Ne cache pas ton problème. Il ne faut pas venir repartir le même problème, il est là. Frère Kouma, tu vas nous faire prier jusqu'à 17h30, peut-être plus. Et puis à 17h30, on a fini, on va à la maison. Quand on vous laisse, allez à la maison, ne restez plus ici. Amen. Je ne reçois personne ce soir aussi. Il ne faut pas venir voir. Que Dieu vous bénisse. Frère, viens. Qui est prêt pour la prière? Expose ton problème, hein? Dieu va t'aider. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.